Bonjour à tous. Déjà, est-ce que vous m'entendez bien avant qu'on commence? Très content d'être là. Moi, je vais vous parler un petit peu de l'environnement et donc de ses effets, donc non seulement sur le fœtus, mais aussi sur la vie après, après la grossesse. Alors, ma petite histoire, elle commence dans les années 1980 avec un chercheur anglais, le docteur David Barker, qui est cardiologue plutôt à la base. Il s'intéresse à la mortalité liée aux maladies cardiaques en Angleterre. Et il trouve une correspondance assez étrange entre les zones avec le plus fort taux de mortalité cardiaque et les zones avec le plus fort taux de mortalité infantile 50 ans auparavant. Et en fait, suivant son intuition, il fait une étude donc au nord de Londres, dans le comté d'Hertfordshire, et en analysant les registres de naissance de 16 000 hommes et femmes, il s'aperçoit qu'il y a un lien entre la qualité de la nutrition pendant la grossesse et l'apparition de maladies chroniques chez l'adulte par la suite. Il travaillait sur les maladies cardiaques, sur les problèmes de diabète et sur les problèmes de, je vais y arriver, d'AVC. Alors, ces résultats, par la suite, ils ont été confirmés par d'autres études, notamment une étude qui a été faite aux Pays-Bas. Il faut savoir que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un blocus qui a été fait par les nazis sur la population des Pays-Bas. En guise de répression, parce qu'ils ne voulaient pas participer à l'effort de guerre de l'Allemagne. Donc il y a eu 22 000 morts suite à une grande famine qui est arrivée pendant l'hiver 1944. Et des chercheurs ont suivi donc les femmes qui étaient enceintes pendant cet épisode de famine pour essayer de voir quel a été l'impact par la suite sur le développement. Et ils sont aperçus que, comme le docteur Barker, il y avait un certain nombre de maladies qui apparaissaient chez les enfants qui étaient exposés à la famine. Et ils s'aperçoivent également qu'en fonction de la période de grossesse, il va y avoir des événements qui vont être différents. C'est-à-dire que si vous êtes exposé très précocement à la dénutrition, vous allez avoir par exemple des troubles affectifs, des problèmes d'obésité, des problèmes d'hypertension. Si ça arrive un peu plus tard dans la grossesse, ça va être par exemple des problèmes pulmonaires ou rénaux. Alors, de là est apparu ce qu'on a appelé par la suite les hypothèses DOAD. Alors, c'est l'acronyme anglais pour Origine développementale de la santé et des maladies. Dit plus simplement, comment les 9 premiers mois de la vie, comment les 9 mois de grossesse vont dessiner le reste de la vie. Alors ça, c'est tout un champ de recherche qui est en plein boom. Ça fait une dizaine d'années qu'on essaye de creuser cette question un peu plus en détail. Donc ça, c'est la couverture du Times. Alors la première question, bien sûr, c'est comment? Alors, c'est à cause d'un procédé avec un nom un peu barbare qu'on appelle épigénétique. Vous savez certainement que le corps est composé de millions de petites briquettes, les cellules, et que ces cellules sont construites à partir de ce qu'on appelle l'ADN, le code génétique. Et ce code, en fait, est unique pour un individu, mais à partir d'un même code, vous avez des cellules qui vont se spécialiser en muscles, en peau, en œil, en cheveux. Et en fait, ça va être possible parce que l'organisme, il est capable d'allumer ou d'éteindre des gènes à volonté, en fonction de ses besoins. C'est ça qu'on appelle l'épigénétique. Cette possibilité de moduler la lecture de l'ADN. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de facteurs extérieurs qui sont capables de modifier l'épigénétique au niveau du corps. Donc on va avoir par exemple des maladies comme le cancer, on va avoir des comportements, tabac, alcool, alimentation, et on va avoir aussi des expositions environnementales à des chimiques. Et ces modifications de l'épigénétique peuvent avoir derrière des répercussions sur la croissance, le comportement, l'obésité, la reproduction ou même le cancer. Alors, vous remarquerez qu'en général, on sépare l'environnement de tout ce qui est comportemental. Donc, dans les comportements, alimentation, tabac, alcool, souvent, c'est différent de l'environnement. Alors, la première question, forcément, c'est est-ce que l'environnement représente un danger pour le fœtus? Donc, on a déjà partiellement répondu à la question. Oui, bien sûr. On est capable à l'heure actuelle de lier un certain nombre de polluants environnementaux à des maladies chez l'enfant. On est capable de lier par exemple la pollution de l'air avec la prématurité ou la croissance fœtale. On est capable de lier les métaux lourds au neurodéveloppement chez l'enfant. On est capable de lier la pollution de l'air encore une fois à tout ce qui est trouble immunitaire comme l'asthme, certains pesticides à la leucémie, certains pesticides à des problèmes de croissance ou d'obésité. Il y a également le problème des perturbateurs endocriniens. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est des composés qui sont capables d'interférer avec le système hormonal, c'est-à-dire qui sont capables de se faire passer pour des hormones comme l'œstrogène ou la testostérone,
ils sont capables d'empêcher leur action sur l'organisme, ou ils sont capables de modifier la quantité d'hormones dans le sang, soit en augmentant la production, soit en empêchant son élimination. Et quand on sait que les hormones sont là pour diriger la formation du fœtus, donc la formation des organes génitaux bien sûr, mais aussi la formation du cerveau, du cœur, etc., on peut légitimement être inquiet en fait pour la santé de l'enfant quand les femmes enceintes sont exposées. C'est pour ça qu'il y a une forte mobilisation à l'heure actuelle par la communauté scientifique pour essayer de réguler les perturbateurs endocriniens, notamment au niveau de l'Europe. Et les perturbateurs endocriniens sont nombreux, donc ça dépend en fonction des groupes de scientifiques et des sociétés savantes, mais ça peut aller sur les listes les plus larges jusqu'à 1400 composés suspects à l'heure actuelle. Alors, l'exposition, elle se fait de différentes manières à ces composés. Vous pouvez respirer des produits chimiques. Alors, la pollution de l'air, c'est un bon exemple, d'accord ? Vous pouvez ingérer des produits chimiques. Par exemple, quand vous mangez de l'alimentation, souvent, vous avez des traces de différents polluants qui sont dans l'alimentaire, d'accord ? Et vous pouvez aussi avoir des composés qui passent à travers la peau. Quand, par exemple, vous utilisez des cosmétiques, vous avez des composés à l'intérieur qui peuvent, bien sûr, pénétrer la peau. C'est le principe. Tous ces composés vont passer dans le sang, et une fois qu'ils sont dans le sang, ils vont pouvoir se distribuer aux différents organes. Et parmi les organes en question, il va y avoir le placenta qui est chargé de la communication avec le fœtus. Alors le placenta, c'est une barrière qui sert à protéger le fœtus, pas qu'à le nourrir, mais certains composés sont quand même capables de passer le placenta pour atteindre le fœtus. Et d'autres composés sont capables de modifier l'action du placenta même s'il ne passe pas à travers. Donc il peut y avoir un impact sur le fœtus. Ça ne veut pas dire que tous les composés qui rentrent dans le corps sont dangereux pour le fœtus, loin de là, mais il peut y avoir un danger. Il peut y avoir aussi un danger quand il y a l'allaitement, parce que certains composés sont aussi capables de passer dans le lait. D'accord ? Et enfin, chez l'adulte, on commence à avoir un certain nombre de données à l'heure actuelle qui montrent qu'effectivement, certains perturbateurs endocriniens peuvent favoriser l'obésité, au premier rang desquels on va trouver l'alcool, qui est un solvant organique qui est un perturbateur endocrinien. Certains composés plastifiants, le bisphénol A, on en a entendu parler pour des histoires de biberons. Les phtalates, c'est tout ce qui va être les assoupissants pour plastique, donc il y en a par exemple dans les bouteilles d'eau. Les pesticides, certains, ou les perfluorés, donc c'est des composés qui sont utilisés comme antiadhésifs sur les poils ou sur les cirés jaunes, par exemple. Et en augmentant l'obésité, on va augmenter indirectement le risque de diabète ou de pathologie cardiaque. Alors, l'environnement, c'est pas que des produits chimiques, d'accord ? C'est aussi des agents biologiques. Vous pouvez être exposé pendant votre grossesse à différents types de virus. Et certains virus comme Zika, comme la rubéole ou le cytomégalovirus peuvent avoir un impact sur le développement de l'enfant. Certains parasites, il y a la toxoplasmose et aussi le palu par exemple, peuvent aussi avoir un impact sur le développement. Et vous avez aussi des moisissures qui se trouvent dans la nourriture ou qui se trouvent dans l'habitat qui peuvent sécréter des mycotoxines dont certaines sont perturbateurs endocriniens. Bien sûr, il y a aussi les agents physiques, même si là on a beaucoup moins d'informations. Dans les agents physiques, vous avez par exemple les rayonnements, donc ça va aller des rayonnements ionisants, donc les radiations nucléaires par exemple, en passant par les Wi-Fi et en finissant par les sons par exemple, ou les basses fréquences. Là on a effectivement moins d'informations, mais il y a des recherches qui sont en cours. Alors finalement, la vraie question, finalement, c'est, on sait que l'environnement est potentiellement dangereux, mais est-ce que ça va représenter un risque réel au niveau de l'individu ? Est-ce qu'au niveau individuel, il y a un risque important de par les expositions environnementales? C'est pas une question qui est très simple, j'ai pas de réponse ferme à vous donner, parce qu'il y a énormément d'expositions en cours, d'accord, et chaque exposition est un peu particulière. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que à l'heure actuelle, les femmes enceintes sont toutes exposées à des perturbateurs endocriniens ou à des toxiques pour le développement. Et elles sont exposées chaque jour. Et quand je dis exposées, c'est à beaucoup de composés chimiques, puisqu'on a à l'heure actuelle plus de 100 000 composés chimiques qui sont répertoriés par les industriels, et on a plusieurs millions de produits chimiques quand on commence à étudier tous les produits de dégradation et les produits non référencés. Alors à l'heure actuelle, par exemple, vous êtes assis sur des fauteuils, il y a certainement des produits anti-feu dedans, vous avez des vêtements, il y a des produits anti-UV, d'accord ? On respire certainement des pesticides ou des polluants de l'air, mais c'est pas pour autant qu'on est en mauvaise santé. Et quand on regarde en fait les données nationales sur la santé des femmes enceintes et de l'enfant, on s'aperçoit que le taux de malformation finalement il est que de 3,6%. Et encore, la première cause de malformation ça reste la trisomie 21 avec les malformations cardiaques.
Ensuite arrive l'alcool avec le syndrome d'alcoolisation fœtale, et ensuite arrivent éventuellement les expositions environnementales. La prématurité, c'est 6%, mais là encore, la première cause de prématurité, ça reste les infections materno-fœtales. Et les leucémies, c'est 4 à 5 pour 100 000, c'est pas énorme. Et là, les premières causes sont a priori plutôt génétiques. Donc au final, on s'aperçoit que c'est pas parce qu'on va être exposé à un danger qu'on va être malade. Et bien heureusement, parce que sinon on serait plus là. Depuis la nuit des temps, on est exposé, entre guillemets, à des perturbateurs endocriniens et des produits chimiques. Et on a développé des mécanismes de défense très efficaces au niveau du corps. Vous avez votre foie, par exemple, qui est une véritable usine chimique qui va être capable de retraiter ces expositions. Vous avez des mécanismes de défense qui permettent de réparer l'ADN. Vous êtes capable d'éliminer ces toxiques. Vous mangez des antioxydants, par exemple, dans les fruits et les légumes. Et tout ce potentiel de défense, en fait, va permettre de lutter contre tous les stresseurs de l'environnement. Virus, exposition chimique, comportement, etc. Et finalement, vous êtes malade quand le poids de toutes ces expositions et de tous ces paramètres négatifs va l'emporter sur vos mécanismes de défense. Et finalement, quand on regarde la part de la génétique et des habitudes de vie, on s'aperçoit que le risque environnemental est probablement limité dans la plupart des cas. Alors, il y a bien certains cas très particuliers, si vous avez une exposition massive parce qu'il y a un accident industriel ou des choses comme ça, où là, effectivement, il faut faire attention, mais la plupart des cas, pour vous et moi, il n'y a pas de risque très important lié par l'environnement. Ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on fait de la recherche, on travaille à l'échelle d'une population. Donc si vous avez 500 000 personnes qui prennent 1 kg à cause d'un composé chimique, c'est déjà presque une catastrophe sanitaire. Alors que si vous, à votre niveau, vous prenez 1 kg, c'est pas à cause de ça que vous allez avoir un cancer du sein. Maintenant, si vous avez un cancer du sein parce que vous avez pris 1 kg en trop, c'est parce que déjà, à la base, vous aviez un risque très important. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de la prévention, bien au contraire. Si on peut éviter de se rajouter, des couches de poids sur l'organisme, autant le faire. Et chez les personnes les plus vulnérables, il faut être particulièrement vigilant, bien entendu. Et les femmes enceintes font partie de ces personnes vulnérables puisque le fœtus est en plein développement. Alors du coup, comment se protéger ? La première chose, finalement, ça va être déjà d'identifier les sources d'exposition et d'essayer de cibler celles qui sont les plus à risque. Avant de vous attaquer à l'environnement, commencez par les comportements, donc alimentation, tabac, alcool, évitez l'automédication pendant la grossesse. Ensuite, penchez-vous sur le risque biologique, donc la sage-femme en général vous donne des conseils, par exemple ne pas manger de viande crue, ne pas manger de fromage non pasteurisé, parce que derrière il y a un risque réel. Évitez de partir en voyage au Brésil quand il y a une épidémie de Zika, par exemple. Ensuite, il y a le risque professionnel, souvent parce que c'est là où on a les expositions les plus fortes. On a exposition à des produits qui sont souvent concentrés, à des doses importantes, de manière répétée. Donc si par exemple vous êtes laborantine, si vous êtes agricultrice, si vous êtes coiffeuse, essayez de prévenir le plus tôt possible le médecin du travail pour qu'il puisse vous mettre sur un poste moins exposé ou vous mettre éventuellement en arrêt de travail, si vraiment il n'y a pas de possibilité de vous éviter l'exposition. Mais pour ça, il faut qu'il soit au courant de votre grossesse, donc il faut la déclarer tôt si vous êtes dans un environnement à risque. Si vous n'avez pas de médecin du travail, comme c'est le cas dans les petites structures en général, vous pouvez aller voir votre médecin généraliste ou éventuellement votre sage-femme qui vous réguillera. Et enfin, là où vous allez avoir un rôle à jouer plus important, ça va être les expositions domestiques. Parce que c'est là où vous êtes, maître en quelque sorte de votre exposition. Les doses, contrairement à ce qu'on pourrait penser, dans le milieu domestique sont des fois fortes, fréquentes, d'accord ? Donc il faut faire attention. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui utilisent des pesticides ? Les 12 derniers mois, est-ce que quelqu'un a utilisé des pesticides ici ? Il faut lever la main. Personne, a priori ? Bizarre, ça. Alors, si je vous dis que les pesticides, ça va être, par exemple, les gouttes ou les colliers antipuces que vous mettez sur les chats et les chiens. D'accord ? Les sprays à l'intérieur pour traiter les moustiques, les pièges à fourmis, les poudres, les autocollants sur les vitres, les produits pour traiter les meubles et les volets, par exemple, les xylophènes. Si je vous dis que ça va être aussi le désherbage des allées, le petit pchit qu'on va mettre sur les rosiers pour les pucerons, d'accord ? Qui est-ce qui a utilisé des pesticides les 12 derniers mois ici ? Voilà, c'est un peu plus. Donc attention aux pesticides,
attention aux solvants. Les produits ménagers contiennent pas mal de solvants, les produits anti-vite, les produits pour le sol. Donc si vous pouvez de temps en temps essayer d'utiliser plutôt balai aspirateur ou nettoyeur vapeur, si vous avez la possibilité. Et les cosmétiques, faites attention. Une femme enceinte en France, en moyenne, a 18 usages de cosmétiques par jour. Une fois qu'on tient compte des shampoings, des savons, des crèmes, du démaquillant, produits de maquillage, etc. Si vous n'avez pas le choix, parce que des fois il faut quand même bien laver la maison ou traiter le chat, si vous avez une invasion de tiques ou de puces, faites-le faire par quelqu'un d'autre. Portez des gants, lavez-vous les mains, essayez d'aérer ou d'éviter de rentrer dans une pièce qui a été traitée. Par exemple, si vous avez peint la chambre de petit, ne rentrez pas dans la chambre, faites-le faire par votre mari. Et enfin, quelque chose qui peut paraître bête, mais passez le balai ou passez l'aspirateur. Parce que la plupart des polluants organiques vont aller se coller dans la poussière, parce qu'ils ont une affinité pour le carbone de la poussière. Donc quand vous passez le balai et que vous enlevez la poussière, vous enlevez une partie des polluants de l'environnement. Est-ce que j'ai encore un peu de temps ? J'ai le temps. Alors, j'ai commencé par l'alimentation, je finis par l'alimentation, d'accord ? C'est pas vraiment l'environnement, mais je pense que ça peut vous intéresser. À votre avis, est-ce qu'il vaut mieux limiter sa consommation aux fruits et légumes pour limiter son exposition en pesticides ? Ou est-ce qu'il vaut mieux consommer un maximum de fruits et légumes pour essayer d'avoir des vitamines ? Qui penche pour une consommation limitée en fruits et légumes ? Limitée, ouais. Qui pense qu'il faut au contraire essayer d'en manger un maximum ? Ça dépend comment ils sont traités. C'est vrai que quand vous regardez sur Internet, il y a un groupe qui s'appelle Environmental Working Group qui produit une liste chaque année des 12, ce qu'ils appellent les 12 salopards, donc les 12 composés les plus traités. Dedans, vous avez les pommes, la salade verte, que des fruits mauvais, quoi. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que globalement, le bénéfice l'emporte très largement sur le risque encouru par rapport aux pesticides. Parce que les nutriments contenus, en fait, dans les fruits et légumes, apporte bien plus à vous et à votre enfant quand vous êtes enceinte que le risque lié aux toxiques par les pesticides. Il faut aussi se rappeler que les pesticides, c'est une grande famille. Il y a plus de 500 molécules qui sont autorisées en France et il n'y en a que très peu finalement pour lesquelles on a un soupçon de risque pour le développement. Et une étude américaine qui a été faite et ils ont estimé que si la moitié de la population américaine mangeait deux fois plus de fruits et légumes, on réduisait le nombre de cas de cancer par an de 20 000 cas et on augmentait seulement de 10 par rapport à l'exposition aux pesticides. D'accord ? Et c'est un peu la même chose avec le poisson pendant la grossesse. Le poisson est très fortement contaminé en métaux lourds, en PCB, etc., qui sont connus pour altérer le neurodéveloppement. Mais d'un autre côté, comme il apporte des oméga et des éléments nécessaires au développement cérébral de l'enfant, et ben finalement, on a plus à perdre à ne pas manger de poisson qu'à en manger malgré le fait qu'il soit contaminé. Et vous avez des recommandations de l'ANSES qui dit qu'il faut manger au moins deux fois du poisson par semaine quand vous êtes enceinte, en évitant bien sûr les poissons les plus contaminés si possible, pas plus d'une fois par semaine du saumon et du thon, et si possible en variant le type de poisson pour essayer de varier un petit peu les différentes expositions. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je ne les ai pas en tête, il y a beaucoup de poissons dans la liste. Mais globalement, c'est plutôt les petits poissons, on va dire. Si vous pouvez manger plutôt du maquereau, de la truite et des sardines, des choses comme ça, ce sera moins contaminé que les super prédateurs comme le thon, le saumon ou le... Je mange celui qui a le... L'espadon. Voilà, merci. Le geste était... C'est parfait. Ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur ce qui vient d'être dit ? J'en ai pas reçu par SMS, donc je suis à votre écoute. Ah. J'arrive. Je vous en prie. Bonjour, c'est dans la continuité par rapport à l'alimentation. Le poisson, oui, mais et la viande rouge, on entend beaucoup parler en ce moment, qu'il y a pas mal de mauvaises choses, et le poulet, voilà, c'est... Alors effectivement, quand c'est bio, et on sait qu'on peut manger sans risque, mais bon, ça a un coût, et donc vaut mieux tout enlever. Ou la cuire à surcuire, ou... je ne sais pas. Il y a deux questions. Est-ce qu'il reste des choses à manger, quoi ? Ouais. En fait. On peut manger tout, il n'y a pas de souci. Enfin, il n'y a pas de souci, il faut... pas d'alcool, pas de tabac pendant la grossesse, mais... Non, il y a deux questions. Il y a la question de la viande rouge et la question du bio.
La question de la viande rouge, si vous voulez, il y a à l'intérieur de la viande rouge des composés effectivement qui sont potentiellement cancérigènes. Et du coup, le Centre international de recherche sur le cancer a émis une recommandation qui est pas de ne pas manger de viande rouge, mais qui est plutôt de ne pas en manger plus de 200 grammes par semaine. Donc vous pouvez manger une à deux portions par semaine sans problème. A priori, il n'y a pas de risque ou risque négligeable. Et souvent, on dit que c'est moins risqué de manger de la viande blanche ou du poisson que de la viande rouge, tout simplement parce que quand on mange de la viande orange et du poisson, on ne mange pas de viande rouge. Donc c'est pas que c'est protecteur, c'est plutôt que comme vous mangez pas de viande rouge, vous avez moins de risques que ceux qui en mangent. Et comme la population générale en mange, en général, il y a un risque de base qui est déjà un peu élevé. La deuxième question, c'est par rapport au bio. Le bio a l'avantage de limiter un petit peu l'exposition aux pesticides parce qu'en bio, on utilise moins de pesticides qu'en agriculture conventionnelle. Maintenant, en bio, on utilise des pesticides bio. Et jusqu'à preuve du contraire, une molécule, elle est toxique de par sa composition et non parce qu'elle est naturelle ou synthétique. Enfin, c'est peut-être plus un point de vue que... Mais bon. D'accord, merci beaucoup. Ça répond à vos deux questions. Est-ce que quelqu'un d'autre a... Je vais faire passer le micro. Bonjour. J'ai une question personnelle. Quand on a un enfant qui naît avec des malformations, problèmes neurologiques, et qu'il n'y a rien de génétique qui a été démontré, donc on en conclut que c'est environnemental, comment on fait pour le prouver ou qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est difficile, j'avoue. Je ne sais pas, vous m'arrêtez si je me trompe, mais c'est un peu la question de la culpabilité que vous abordez, je pense, dans la question. Non ? C'est-à-dire, à un moment donné, est-ce qu'il faut chercher la cause ou pas aussi, quoi ? Voilà. En fait, disons que le problème, c'est que les expositions environnementales en tant que telles, on ne les connaît pas. On ne sait pas ce qu'on a absorbé pendant la grossesse. Donc, on ne peut pas prouver qu'on a mangé un composé particulier qui a pu être toxique. Donc, à moins de cas particuliers, quand c'est des expositions professionnelles, par exemple, et que vous avez été exposé professionnellement à des composés toxiques, c'est le cas, par exemple, ce qui se passe sur les gens qui ont un cancer du poumon et qui ont travaillé avec de l'amiante, eux, c'est facile. C'est le cas avec les agriculteurs qui ont Parkinson, il y a un lien entre les deux qui est prouvé, c'est reconnu par l'assurance maladie, c'est facile. Maintenant, quand on sort de ce cadre et que c'est l'exposition environnementale, comme on ne sait pas ce qu'on est en train de respirer, on ne sait pas à quel moment, on ne sait pas à quelle dose, c'est difficile de le prouver. Donc après, des fois, on a des soupçons a posteriori quand on va faire des études. Par exemple, on va travailler sur une maladie, on va faire des mesures dans la population et on va lier les deux, on va avoir des soupçons sur des groupes de composés. Mais dire que pour un individu, c'est à cause de cette exposition que c'est apparu, on va avoir du mal à le dire et puis même, on ne serait même pas certain en fait. On ne sait pas exactement. Des fois, il peut y avoir aussi des mutations ou des phénomènes épigénétiques qui sont indépendants des expositions environnementales, parce que des fois, il y a des choses aléatoires qui se passent aussi au niveau de la, pendant la grossesse et même avant. Il peut y avoir aussi des expositions antérieures à la grossesse. À partir du moment où les femmes ont une réserve ovarienne qui est constituée dès la naissance, si vous voulez, une exposition sur les ovaires à n'importe quel moment peut créer des mutations. Je crois qu'il y avait une autre question. Bonjour. Moi, j'avais une question sur la pollution à Paris. Est-ce que, par exemple, 9 mois de grossesse à Paris, c'est mal barré ? Ou est-ce qu'il y a des horaires ? Par exemple, faut éviter de sortir aux heures de pointe ? Enfin, mettre un masque ? Non, parce que vraiment, sans parler des pics de pollution, où là, on sait que c'est... Enfin, ouais. Est-ce qu'il y a des petites astuces ou... Souvent, ce qui est... C'est pas facile comme question. Ce qui est le plus exposant, effectivement, en heure de pointe, il y a plus de particules dans l'air. Et si vous faites, par exemple, du vélo à ce moment-là en heure de pointe, vous ingérez plus de particules parce que vous êtes en train de faire du sport. Du coup, j'imagine que vous pouvez réduire votre exposition si vous évitez de faire du sport en heure de pointe, par exemple, ou si, quand vous avez une alerte particules, vous ne faites pas de sport. Pour éviter l'exposition générale, ça va être difficile parce qu'en fait, vous avez une exposition de masse en permanence. Et même si vous portez un masque, ça va pas changer grand-chose parce que les masques en papier qu'on voit sont pas des masques à filtration. C'est les masques qu'on utilise à l'hôpital, par exemple, pour éviter de postillonner sur les gens. Ça va freiner, par exemple, le postillonnage, mais ça va pas empêcher les particules de rentrer. Pour ça, il faut des masques haute filtration ou à cartouche que généralement on n'a pas dans la rue. Puis
pour marcher avec, respirer, c'est pas évident. Mais du coup, mais bon, je serais pas très inquiet, si vous voulez, sur les niveaux. Enfin, le niveau de pollution à Paris, il y a pas mal de Parisiens qui accouchent chaque année et sans problème. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Il y en a plein. On voit que ça suscite beaucoup d'angoisse. C'est, ben, en fait, c'est, la difficulté, c'est de trouver l'équilibre entre l'information sur, sur tous ces impacts et une conduite tenable. Parce que je vous entendais parler par rapport à Paris, quand on est à la campagne, il y a d'autres pesticides, d'autres problèmes environnementaux. Donc, c'est pas forcément fuir Paris la bonne solution. C'est ça. Ce qui est difficile, c'est que la pollution en particules, c'est juste une dénomination pour des tailles de particules, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Si vous êtes à Paris ou si vous êtes à Grenoble l'hiver sera de la combustion de bois. À Paris, ce sera du trafic automobile. Si vous êtes à la campagne, ce sera de la poussière avec des pesticides. D'accord ? Donc c'est difficile de répondre juste sur pollution dans une ville en particulier. Oui, merci pour les différentes informations. J'ai appris beaucoup de choses. La question que je voulais poser, c'est en rapport avec les troubles envahissants du développement et notamment, par exemple, le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Au niveau de vos connaissances, qu'est-ce qu'on sait maintenant sur l'impact ? Est-ce que c'est vrai que l'environnement contribue à avoir plus d'enfants touchés par ces troubles ? Alors, c'est moins la spécialité, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a une fréquence des troubles, des TDSA, donc c'est les troubles autistiques, etc., et ce qu'on appelle communément l'autisme, et des troubles hyperactifs qui tendraient à augmenter. Aux États-Unis, par exemple, c'est très élevé. Chez les petits garçons, ils ont un risque de 1 sur 68 de naître avec... un syndrome autistique. En France, il me semble, c'est pas 1 sur 250 Non, c'est 1 sur 100 la population générale et 1 sur 60 chez les gars. D'accord, voilà. Ça explose. Alors du coup, la question, c'est à partir du moment où on a une maladie comme ça qui augmente dans une population, souvent on suspecte l'environnement parce que c'est souvent le seul facteur qui va changer, d'accord ? Maintenant, faire le lien spécifiquement avec des expositions ou des choses en particulier... À l'heure actuelle, il y a très peu d'informations parce que c'est un champ qui est assez récent dans la recherche. Je sais qu'il me semble avoir vu passer 2-3 publications qui montrent un lien avec certaines particules diesel et l'autisme, mais bon, c'était des études individuelles. Et souvent, quand vous faites de la recherche, vous avez des fois, vous faites des statistiques, donc des fois, vous avez un résultat qui sort et vous ne savez pas si c'est une association vraie ou si c'est un artefact. Donc il faut répéter les études régulièrement. Il faut avoir des modèles animal ou cellulaire pour essayer de trouver le mécanisme, vérifier qu'il y a une pertinence biologique. Donc tout ça, ça prend du temps. À l'heure actuelle, la piste, pour moi, la piste de l'environnement en lien avec l'autisme, même si elle est fortement suspecte, elle n'est pas prouvée, en tout cas pas prouvée avec certaines molécules ou certaines expositions. Mais en tout cas, elle est très probable. Et après, pour tout ce qui est trouble du développement, trouble hyperactif, donc c'est TDAH, il y a un nom exact, je suis désolé. Il me semble qu'il y a un lien avec le tabac, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble qu'il y a un lien avec certains solvants qui étaient suggérés, notamment par des études françaises. Il me semble qu'il y a un lien potentiellement avec certains organophosphorés, donc c'est des pesticides utilisés sur certaines cultures. Donc a priori, oui. Mais je ne sais pas dans quelle mesure, d'accord, ça va faire augmenter le risque en fait, dans la population. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre les deux, mais je ne sais pas quelle est la part, si vous voulez, de ces nouveaux cas qui peut être attribué directement à l'environnement ou pas. Ça, j'avoue, je ne peux pas vous répondre. Je crois qu'il y avait une question ici. Bonjour. Moi, je voulais savoir, quand une femme fait un déni de grossesse, par exemple, j'ai entendu dire que le placenta filtrait plus qu'ordinairement quand une femme était au courant de sa grossesse. Est-ce que c'est vrai, ça, ou... J'en ai aucune idée. Parce que, du coup, ça pouvait avoir un impact par rapport au facteur environnemental. Si ça change la filtration, effectivement. Après, j'avoue, je sais pas. Là, je sais pas. Question piège, donc... Ouais. D'accord. J'ai reçu quelques questions par SMS, donc on va honorer le dispositif. J'ai une question sur le stress qui me semble intéressante, qui dit est-ce qu'on a étudié l'effet du stress
sur en fait le développement in utero. Est-ce que ça fait partie des... Alors je connais très mal les données de la littérature là pour le coup, mais il me semble avoir eu une présentation où effectivement il y avait l'air d'avoir un lien entre stress et le développement de l'enfant. Alors je ne sais pas sur quelle issue de grossesse, mais en tout cas il me semble qu'il y a un lien. Et il me semble qu'il y a même des mesures biologiques qui ont été faites qui montrent que certaines hormones sont changées par le stress et que tout ça peut avoir un impact sur le développement. Ça, a priori, oui. D'accord. Donc en plus de l'environnement, le stress voilà. aussi. Ça rentre dans le comportement. Qui stresse lui-même. Voilà, donc, d'accord. Il y a une autre question par rapport à l'allaitement. La personne dit « Je voudrais savoir si les risques chez le nourrisson allaité est le même que chez le fœtus. » Vous l'avez un peu abordé dans votre présentation. C'est vrai que c'est intéressant de repréciser que cette surveillance, elle doit avoir lieu aussi au-delà des 9 mois de grossesse. Alors, le risque... en fait, il y a des composés qui passent dans le placenta, qui ne passent pas dans lait, inversement. Mais globalement, la plupart des composés qui passent pour l'un passent pour l'autre. Donc, il y a effectivement des expositions avec des concentrations qui peuvent être parfois un peu élevées dans le lait. Mais ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que les bénéfices de l'allaitement maternel, c'est comme pour les fruits et légumes, l'emportent largement sur le risque chimique de l'exposition chimique. Parce que bon, il y a peut-être effectivement des composés organiques persistants qui peuvent être toxiques, mais vous avez aussi énormément de facteurs d'immunité, de nutriments, de choses qui vont être dans le lait, qui n'y aura pas forcément dans le lait artificiel. Et même le lait artificiel, qui est l'alternative, si vous voulez, va quand même contenir un certain nombre de polluants. Alors, un petit peu moins que le lait maternel, parce que le lait artificiel, en fait, quand il est fractionné, qu'on retire les protéines de lait de vache, on retire en même temps une partie des expositions. Mais vous allez quand même avoir un petit peu d'exposition dans le lait artificiel. D'accord. Il y a une autre question sur l'alimentation. C'est vrai qu'il y a beaucoup de compléments alimentaires qui sont sortis destinés aux femmes enceintes ou aux futures mamans, enfin même pendant la période de conception. Est-ce qu'il vaut mieux finalement surveiller ses apports grâce à cette supplémentation, ou est-ce qu'une alimentation équilibrée et saine suffit? Quel est votre point de vue par rapport à ça? Alors là, c'est plus un point de vue partagé par les collègues du Collège des sages-femmes. Normalement, une alimentation équilibrée doit permettre de couvrir tous les besoins. Donc si vous avez une alimentation équilibrée, vous n'avez pas besoin d'avoir des supplémentations. La supplémentation est utile quand vous avez des carences, c'est-à-dire quand vous manquez de certains nutriments. Là, ça devient utile. Si vous donnez des nutriments en plus à des gens qui n'en ont pas besoin, des fois, ça peut même être délétère pour la santé. D'accord. Ok, très bien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, là-bas au fond. J'avais oublié tout à l'heure. Oui, en fait, j'avais une question par rapport à la prévention, où effectivement, quand on sait que des choses ont des effets, on est obligé de le voir, on est face à... Voilà, c'est bien de prévenir, d'informer. Mais je me demande, est-ce que ça n'engendre pas du stress qui aurait des conséquences? C'était ça ma question par SMS. D'accord. Parce que, est-ce que, quelque part, le bénéfice de la prévention, quand on voit des femmes enceintes, on va à un dîner, est-ce que je peux manger ça? Je ne sais pas. Avec tout le stress que ça engendre, est-ce que, par hasard, il n'y a pas de travail aussi là-dessus, sur est-ce qu'il n'y aurait pas des effets secondaires, en fait, du stress, des effets négatifs de cette prévention Est-ce que le stress engendrait pas pire que l'exposition? C'est une très bonne question. Alors, à ma connaissance, ça n'a pas été étudié, mais ça pourrait effectivement, dans certains cas, de vrai. Maintenant, j'avoue, ça n'a pas été étudié, donc je ne peux pas vous répondre comme ça. Mais bonne question. Ça aborde toujours la notion de trouver un équilibre entre l'info et le stress. Je vais essayer de voir si j'ai d'autres questions. Ah, madame, allez-y. Pardon, j'ai encore une question. On entend souvent dire, les femmes qui fument enceintes disent souvent « oui, mais j'arrête pas parce que le stress de l'arrêt du tabac, c'est pire que les effets nocifs du tabac ». Quel est votre positionnement ? Le tabac, il me semble que c'est quand même pire que le stress, pour le coup. Merci. Bonjour.
la réponse sur le tabac. Une question encore. Oui, bonjour. C'était plus une petite info qu'une question. Je rebondissais sur une des questions précédentes sur les supplémentations. J'avais vu passer une étude dans, alors je vous le fais, Environmental Health Perspective, qui est sortie là ce mois-ci ou en septembre, qui montrait que quand les femmes qui étaient dans des zones agricoles exposées aux pesticides, quand elles avaient une supplémentation en acide folique dans la fenêtre de tir autour de la conception, donc juste avant ou juste après, il y avait visiblement une diminution du risque de troubles autistiques chez l'enfant. Bon, on en a plein des études comme ça. Enfin voilà, c'était juste pour dire que je l'avais vu passer celle-ci et je voulais faire profiter tout le monde. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Oui, les micros. J'arrive. C'est pas vraiment une question, c'est juste une petite remarque, parce qu'on parle beaucoup de la grossesse et donc du rôle de la mère, mais il y a aussi les spermatozoïdes. Je sais pas si vous savez qu'à l'heure actuelle, les hommes ont moins 50% de moins de spermatozoïdes qu'avant. Notre capital génétique est abîmé, probablement à cause de ces pesticides, etc. Les abeilles meurent et les hommes ont 50% en moins de spermatozoïdes. Et tout à l'heure, on a parlé de l'autisme. Un des facteurs qui a été étudié, c'est le rôle de l'âge du père. C'est-à-dire que on a toujours parlé du rôle de l'âge de la mère, par exemple pour la trisomie ou des maladies génétiques, mais il est fortement suspecté que l'âge du père a un rôle important dans certaines maladies génétiques aussi, et puis notamment dans l'autisme. Voilà. Je cours. Je vais faire passer. Non. Par là. Vous souhaitez peut-être réagir par rapport au rôle du père. Non. Je suis. Facteurs environnementaux. Oui. Il me semble que oui. Enfin, il me semble que dans les facteurs de risque de trisomie 21, notamment l'âge du père intervient. Oui. Excusez-moi, je rebondis juste sur la question de la dame tout à l'heure par rapport au tabac et au stress, où effectivement le tabac l'emporte largement niveau risque sur le stress. Et du coup, comment ça se fait qu'on a tous déjà entendu une femme nous dire « j'ai continué de fumer pendant ma grossesse, même une ou deux par jour parce que mon médecin me le conseillait, parce qu'il me disait que le stress allait tellement monter parce que j'étais à un paquet par jour ou deux paquets par jour. » Et qu'est-ce qu'on peut répondre à ces femmes qui l'ont déjà fait, le mal est fait, mais à celles qui se posent la question, je viens de tomber enceinte, comment je fais, j'arrête ou pas, mon médecin est d'accord avec moi qu'une ou deux, ça va pas tuer mon bébé. Il vaut mieux une cigarette qu'un paquet, déjà. Disons que plus on réduit la dose, plus a priori, la plupart du temps, on réduit les risques. Donc bon, s'il ne reste plus qu'une cigarette par jour, c'est mieux que rien. On ne peut pas dire à la femme de changer de médecin comme ça. Après, bon, c'est toujours pareil, on est sur des avis d'experts, entre guillemets, donc des fois, on n'est pas toujours d'accord. Ce qu'il y a aussi, c'est que c'est peut-être un problème aussi d'études scientifiques et de statistiques. Parce qu'en fait, quand vous avez un risque, une dose très importante va engendrer un risque très important, c'est facile à mettre en évidence. Une dose faible va donner un risque faible, c'est beaucoup plus dur à mettre en évidence. Donc plus on diminue la dose, à partir d'un moment, on va voir disparaître le risque parce qu'on n'est plus capable de le mettre en évidence. Donc certains vont penser que le risque disparaît, d'autres vont dire bah, le risque a priori est toujours là, mais on ne sait plus le mettre en évidence. C'est le cas par exemple avec l'amiante et les effets seuil, où on dit en dessous d'une dose, ça craint rien. D'accord ? On s'aperçoit qu'il y a des femmes, de travailleurs qui ont aussi attrapé des cancers du poumon parce qu'il y a des doses d'exposition faibles. Enfin, c'est des zones grises, j'allais dire, où il y a peut-être aussi un petit peu de ça. Ça répond à votre question. Merci. Il y a une nouvelle question qui est arrivée sur l'alimentation qui est très précise. Vous allez me dire, si vous ne savez pas, il y a encore des choses à vérifier par ailleurs. Mais... est-ce qu'il y a plus de nutriments dans les fruits et légumes crus que dans les fruits et légumes cuits? La personne dit, voilà, il paraît qu'il y a moins de nutriments dans les fruits et légumes actuels et il faudrait donc privilégier le cru. Je ne sais pas d'où elle tient cette information, mais ça doit circuler certainement. Est-ce que c'est une fausse idée Alors qu'il y a un peu moins de nutriments dans les fruits et légumes actuels, c'est vrai, parce que du coup la productivité des arbres fruitiers, des plants, etc. a augmenté, donc en fait
la quantité qui passe dans les fruits et tout ça et tout est un peu plus faible, ça c'est vrai. D'accord. Après qu'il y en ait plus dans les crus, il est possible qu'il y ait certains acides aminés effectivement qui sont dégradés à la cuisson. Maintenant, il y a d'autres composés qui a priori ne devraient pas bouger. Et manger que du cru enceinte, ça peut aussi causer d'autres problèmes de voilà, digestif. Voilà, c'est ça. C'est... manger que du cru, c'est pas aussi non plus bon pour certaines bactéries, parasites, etc. La toxoplasmose et tout ça. Donc, je sais pas, j'avoue. D'accord. Le raisonnable, peut-être. Ouais. Merci. Je crois qu'on va, peut-être s'arrêter là pour les questions, à moins qu'il y ait vraiment une personne totalement frustrée dans la salle qui a envie de s'exprimer sur le sujet. Mais sinon, on va conclure. Merci beaucoup. Je voulais rappeler à tout le monde que sur le train de la petite enfance, le premier wagon est consacré à la vie in utero. Donc je pense que vous aurez encore dans cet espace des éléments de réponse par rapport à l'environnement dans lequel flotte le bébé pendant 9 mois. Voilà, pour ma part, je vous ai tout dit. Merci beaucoup de votre écoute et de votre intérêt sur ce thème.